Ok. On va mettre le son, évidemment. La scène avec Mesmerella et Pashmia qu'on a eu du coup la dernière fois, bien évidemment. Et qui doit être très très bien. Je vous le rappelle. Ok, bon. Comme les gens... En fait, ce qui est marrant, parce que je peux changer en fait la... Comment ça s'appelle? Je peux changer le titre quand je change, enfin quand je vais sur mon truc. Je peux changer la notification de live. Alors je sais pas si les gens reçoivent une autre en plus ou pas. Je n'ai absolument aucune idée. Je sais pas. Mais j'ai écrit des choses. Et là j'ai complètement écrit qu'on tentait de finir Pokémon Noir avant la fin de la semaine prochaine. Petit objectif officieux. On tente juste de finir. Là, en gros, on se laisse une semaine pour finir le jeu, en fait. En y jouant tous les jours, bien sûr. Alors, 39, 34, 34, ça doit être... toi, tu dois avoir un niveau de moins. Donc, c'est 3 niveaux que tu prends, là? Non, c'est 2 niveaux. C'était 2 niveaux par Pokémon. Ok, donc là, tu dois aller au 36. Toi, au 38. Et toi, au 35. Ok. Et on n'avait pas fait Bardan, donc là il nous manquait le cinquième badge à avoir qui était juste à côté. On l'avait dépassé pour aller dans les herbes vertes et plus puissantes et doubles pour farmer l'XP. Voilà, je me souviens, voilà, les Pokémon étaient beaucoup plus puissants et c'était beaucoup mieux. Ok, maintenant je m'en souviens. Ah, le niveau 38 va être très facile à avoir normalement, je pense. C'est une température de pluie, ça c'est pas forcément petit pour tout plein de raisons. Qu'est-ce qu'il avance bien ce jeu-là. Après, je dis ça, mais si vous savez que là, si je voulais enchaîner les deux champions, objectivement, je pourrais. Hein. Donc c'est pour ça aussi que là, je ne presse pas trop. Mais sachez que si je le voulais, là, je peux, sans aucune difficulté, absolument aucune, enchaîner Bardan et Skyla. Ah, détection. On va le soigner. Parce que quand même si on a la madame, parce que là je vous rappelle qu'on a la madame qui nous soigne. Hein. Mais je vais quand même claquer une hyper potion, juste par sécurité, par pure sécurité. Fais donc. Donc là il perd le type vol. Hein. Là il a perdu le type vol, donc on va tenter une mâchouille. Voilà. Joli petit Vivaldin. Qui est un des Pokémon de la boîte vivant. Très bizarre dit comme ça. J'en ai conscience. Nickel. Ça peut, en vrai, ça va aller très vite. Hein, vous inquiétez pas. Je pense que là, on va consacrer, je pense, un quart d'heure, une demi-heure, pas plus à ça. Et on fait Bardan juste après. En fait, Bardan sera forcément fini aujourd'hui. C'est l'objectif. De toute façon, au pire du pire, on dépassera un tout petit peu s'il faut pour finir Bardan. Mais on n'arrêtera pas ce stream avant d'avoir battu Bardan, d'accord? Qui est donc le prochain champion. Et ça, je peux vous en donner une parole d'honneur. Là, les Pokémon sont d'un niveau beaucoup plus élevé, on gagne beaucoup plus facilement. Ça va le faire sans problème. Je me demande si Max n'avait pas déjà gagné un niveau. Non, c'est pas possible. Quoique, si, 35, je n'ai aucune idée, en vrai. T'as déjà pris un niveau, Mirador? Enfin, Max Maxi. Tu dois monter au niveau 37 ou 36, toi? Ça doit être 37, je pense. Il doit avoir un niveau de moins que les autres.
C'est bizarre, par contre, je jurais qu'il faut monter au niveau 36, par contre. Ce qui n'a aucune logique, pourquoi il aurait déjà pris un niveau de plus? Alors, je vais monter au 37, je pense. C'est cool, en vrai, Vivaldin, blague mise à part, j'aurais beaucoup aimé avoir Vivaldin dans mon équipe. En vrai, ça aurait été cool, hein. Après, on voit qu'est-ce qui m'empêche de prendre Vivaldin en remplaçant par Max, quoi. Parce que là, on a deux Pokémon de type normal et je compte pas me débarrasser de Pashmia. Pashmia sera jusqu'à la Ligue avec nous. Mais, je sais pas. Je sais pas trop, en vrai. Il me douille, il me fait mal. Nickel. 149, putain. Ce qui est là, c'est que DFK va prendre tout l'XP. Hein. Ça, c'est pas mal du tout pour le coup. Curling. Pour ça, j'aurais dû soigner Crocodile en vrai. Il y a moyen qu'il me fasse un truc qui nous fasse, qui nous mette cher en vrai. Voilà, là faut éviter le coup critique, sinon c'est fini, c'est finito. GG à tous, on a sué. C'est pas marrant, on peut arrêter des conneries maintenant. Personne n'a rigolé à ça, d'accord. Personne s'est dit non mais faut arrêter des conneries par contre. Après là c'est quand ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Pokémon mort, hein. C'est-à-dire qu'on gère de mieux en mieux le Nuzlocke. Hein. Pas mal ça. On va aller les soigner après. Petit coup de soin rapide là. Pas mal DFK, plus qu'un niveau et il sera laissé tranquille. Ok, on est bien remis niveau... Hop. Après, sachez une chose quand même, c'est que là, bon, il va quand même y avoir beaucoup de temps hein, entre... Pokémon 1 et Pokémon 2, vous allez avoir beaucoup de temps. Je peux pas vous dire combien exactement, mais ça va quand même être conséquent en termes de temps. Sachez une chose, c'est que quand même, vous aurez... C'est nickel ça. Vous aurez le 2, on fera le 2. Et le 2, il y a quand même beaucoup de moments où ça se ressemble avec le 1. J'entends par là, je sais pas, je veux dire à partir de Volucité. Même si Volucité change, des trucs qui se ressemblent. Notamment, je pense, par exemple, aux égouts. Là, on n'a pas eu d'égouts dans le jeu-là. Dans le 2, il y a des égouts, par exemple. Voilà.
Je pense que ça va pas vous ennuyer non plus. Hein. Quand on le fera en Nuzlocke aussi. Mais avant ça, il y a évidemment Poképark, Pokémon Donjon Mystère, Pokémon Rumble, enfin, trois jeux Pokémon qui eux sont pas faits en Nuzlocke, parce qu'il y a pas beaucoup. C'est pas possible un Nuzlocke, hein. C'est des jeux bien bien différents. Et ça, j'adorerais les faire en stream, ça faudra attendre un peu avant de les faire. Mais voilà, ce sont des objectifs à faire, quoi. Voilà, sachez-le. Sachez-le, sachez-le. Du coup. Petite mâchouille, ici, petite mâchouille. On évite la giga sanxu. Et voilà. Tu es endormi ? Fouchage, c'est intéressant ça. Finito vivo. Et ben on est presque sur un niveau pour crocodile, dis donc, c'est intéressant ça. Là, on a quasiment passé une. En vrai, ça me semble un peu chaud une semaine peut-être pour le finir. Parce qu'on faisait 3 heures, 3 heures, 3 heures Pokémon, Pokémon, Pokémon. Mais et encore. Attention, à 15h on aurait fini le jeu en vrai, j'y pense, mais. On va pas faire 15h de Pokémon, on a beaucoup d'autres choses à faire. Là faut que je m'inscrive au tournoi, je sais même pas à quelle date c'est le tournoi Pikachu. On le fera, hein. Bien sûr, on essaiera de. Là je regarderai ce week-end déjà pour voir pour Pichu Strat. J'aimerais bien lundi allumer mon stream et vous dire c'est bon, j'ai un Pichu Strat quoi, vous voyez. Je sais pas trop comment ça se passe. Là j'ai pas le site qui est à jour, enfin. En fait là le problème c'est que Pichu, sur les sites qui sont à jour, il a aucun set de strat, si vous voulez. Ce qui veut dire que je vais devoir soit faire un Pichu à la va-vite un peu pourri, soit prendre l'ancien. Et l'ancien, il y a un risque qu'il ne passe pas, quoi. Mais je pense que le Pichu passe. Enfin, après, je sais pas. C'est pas assez puissant pour que ce soit problématique, vous voyez. Pichu, ça a jamais été vraiment strat, quoi. C'est un Pichu, hein. C'est comme si je vous disais, mon main sur Super Smash Bros, c'est Pichu. Hein. Et pourtant, j'aurais beaucoup aimé vous le dire, ça, vous voyez. Parce que Pichu... Sur Pokémon, enfin sur ce Super Smash Bros, c'est un Pikachu plus petit, donc qui peut s'envoler beaucoup plus vite, qui fait plus de dégâts Pikachu, mais qui s'inflige lui-même des dégâts. C'est la compensation en fait. Donc faut être vraiment professionnel pour jouer Pichu, encore plus que. Enfin, en fait, il faudrait le même niveau de mécanisme sur Sephiroth que sur Pichu pour pouvoir jouer Pichu correctement, quoi. T'as encore un niveau à prendre, Crocorrible. T'as encore deux niveaux à prendre, Colombo. Et un. Enfin. Miradar. Et un pour Darumaron. Ça va aller vite, hein. Je vous le dis, là, on est déjà. Je sais pas, on est à 7 minutes, là. Ça va, ça va. On fera Bardin aujourd'hui. C'est une promesse, mesdames et messieurs. Je vous l'ai faite en début de stream. Retenez bien. Bardin sera fait aujourd'hui. Et si on a un peu de chance, ça par contre un peu de chance, qu'il y a un peu de chance quand même à prévoir, on commencera la grotte aux araignées aujourd'hui. Ça, faut un peu plus de chance par contre. Au pire, je pense qu'on la fera lundi déjà. Mais Okay.
Ok, heureusement que Crocodile a évité, parce que là il aurait pu prendre tarif. Il m'a quand même fait coup critique l'enfoiré. Nickel. Alors il est 10, on dépassera. Faut qu'on fasse Bardane absolument. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a quand même déjà un petit peu de retard sur Bardane, quand même, blague à part. C'est à peu près insupportable, enfin pas vraiment insupportable, mais c'est... Faut qu'on le fasse, quoi. Allez, vous y êtes presque, faites un effort. Et comme je vous l'ai dit, hein, plus on descend, plus c'est facile. Hein. J'entends par là que là, le niveau 38, on l'aura plus, on l'aura, mais le niveau 37 de max, on l'aura plus vite. Hein. Enfin, on l'aura encore plus vite, quoi. C'est pour ça que je suis pas inquiété, par exemple. Hein. Vous résistez vraiment à un demi-PV, quoi. Hein. C'est vraiment de la merde, ça. Ceci est parfait. On va recommencer, hein, c'est pas grave. Je suis du genre très patient, très chef. Pardon? Tu me casses les pieds avec ton abri, toi, hein. Niveau 35, GGDFK qui vient de prendre deux niveaux en stream. Et il évolue! GG à tous. Combien marteau point? Évidemment qu'on va le prendre. Ah, on peut pas. En vrai, avec la troc, on. Venez, on s'en débarrasse, on n'a pas besoin pour l'instant, en vrai. Si jamais il y a besoin, on la prendra à quelqu'un d'autre, mais marteau point, c'est vraiment pété. Bon, bah on a un Daru marron. Ou un Daru macho, je sais plus vraiment. Je commence à confondre maintenant. On va prendre l'objet. On va le poser sur max. Voilà, et on va y aller comme ça.
GG à tous, on a maintenant Darumacho. Oh, c'est un Dormaron le petit. Donc juste pour dire GG à tous. Pétasse. Pétard, pardon, c'est un mâle, viol d'un mâle, hein, pas viol d'un femelle. Ok, on va aller le soigner vite fait. Petite sauvegarde également, puisque là on peut dire quand même que... On a quand même eu une avancée, hein. On a eu quelque chose. Il ne manque plus que deux Pokémon à XP en plus. C'est pas mal, les amis. Ça va, voilà, s'il fait dodo, c'est pas... vraiment pas le pire des problèmes. On perdra un tour, on lui donnera une baie pour le réveiller. Je crois qu'on a quelque chose pour le réveiller de toute façon. Voilà, un petit réveil. C'est dommage que le réveil ne soit pas littéralement un réveil, que ce soit un produit. Vous voyez, vous mettez un petit, une petite sonnerie, comme ça. Là, le Pokémon qui se réveille en sursaut. Quoi? Quoi? Ça c'est cool. Ça c'est moins cool. Pas gênant pour autant quand même. Il fait pas beaucoup de dégâts. Excusez-moi. Gorge un peu enrouée. Ok. Bientôt la nuit quand même. On décalera un peu pour Bardane. De toute façon pour Bardane c'est pas vraiment le plus grand des crimes. Parce que bon, en vrai faut qu'on avance un peu quand même. Je peux pas trop me permettre non plus de rester statique. Et pas beaucoup avancer. Et encore moins vous proposer une heure simple de farming sans rien d'autre derrière quoi. Là, le niveau 38, on y est presque. Hein. Il va y avoir que Max qui va nous emmerder un petit peu. Bon, pas un gros problème, je pense. Je pense que Crocodile nous emmerdera un peu plus que Max. Je pense que Max, on l'aura avant le niveau 37.
Ok, double Vivaldin. Ok, là, on va bientôt niveau 36, ça c'est cool. Chez Gmax. Si jamais on tombe contre un Pokémon qui fuit, en fait, vaut mieux pouvoir le choper avec Regard Noir, quoi. Je dis ça dans le sens au cas où si c'est un légendaire, par exemple, ou un petit rigolo qui s'amuse à se casser. Ok, pas mal, pas mal. On est pas mal quand même pour l'instant, en vrai. Sachez-le quand même. Ah, j'aimerais bien pouvoir ressortir de la grotte avec un croc horrible en vrai, je vais pas vous mytho actuellement. C'est pas le but premier, mais ça serait pas de refus quoi, je cracherais pas sur la soupe pour avoir ça quoi. C'est pas tout ça l'expression, c'est pas cracher dans la soupe. J'ai dit de la merde là. De toute façon je suis habitué à mes expressions. En fait, le truc c'est que vous comprenez le fond de mes expressions. À partir de là... Trompignon, il est trop mignon. Nanana, nanana. Trompignon, il est trop mignon. Excusez-moi. Vous êtes habitués, je vous l'ai dit. Mes petits excès de folie qui n'ont aucun sens. Baisse encore ta vitesse. Pas beaucoup de dégâts toi hein. Par contre tu régénères bien donc je vais quand même te tuer d'un coup là.
Donc pour l'instant, on les défonce comme il faut. Hein. Après, vous savez, on a l'objectif entre guillemets fun de faire Cynthia du premier coup sur Pokémon Diamant. Mais ici, c'est la même chose. Hein, même si Goya est moins iconique que Cynthia, ça fait mal à mon cœur, mais il faut l'admettre. L'objectif officieux, c'est de faire first time Goya, de ne pas galérer contre maître de la ligue, bien sûr. Sans si on meurt au maître de la ligue, faut qu'on recommence du début le jeu, dans les règles officielles, entre guillemets, officielles du Nuzlocke, ou faut qu'on recommence juste à notre dernière sauvegarde. Parce que je pose des questions du coup. Si c'est la sauvegarde, il suffit de sauvegarder tout le temps et on n'est jamais niqué en fait. Max gagne 300 et quelques d'XP, ça me détruit. N'empêche, on est bientôt à la demi-heure, on est presque à la fin. Je pense qu'on aura le temps de faire Bardane tranquillement. Je pense. Je pense qu'on changera Max aussi. Je pense qu'on changera Max par Vivaldin. Ouais, il y a un point où ça me fait chier, c'est que Max est celui qui permet de capturer des Pokémon. Et c'est le retentif qu'on a eu au début du jeu, quoi. J'ai pas envie de changer Pachmia. En même temps, on a deux types normaux, là. Pas non plus extra. En plus, on est en train de se péter le cul à monter Max. Au pire, on va rester comme ça pour l'instant. C'est pas très grave non plus, hein. Essayons un Nuzlocke où les Pokémon, on doit les garder un peu dans l'ordre, quoi, si vous voulez, vous voyez. On n'a pas de Pokémon Nord, on verra si on en a un mort, quoi, déjà. Il est bientôt 38, quand même, hein. Comme je vous le disais, c'est facile de monter en XP. En fait, faut juste passer un petit peu de temps. Mais une fois qu'on a passé ce fameux temps comme ça, tout va bien. Oh, j'étais pensé qu'il ne l'avait pas. Après, il est paralysé, ça va. Il est pas endormi. Je pense que dans 3 combats on y est. Ouais, 3 combats à peu près. 4. 4 combats. Faisons un petit chrono en vrai. 4 combats, je pense. Type ténèbres, hein, il prend cher. Hein. Eh ben, heureusement qu'il l'a pas mis comme ça, hein. On va le soigner après, hein. On n'a pas eu énormément d'XP, et en plus il est perma avec ses parastores. Enfin, parasport pour pas parastore. Donc je dis que là, il nous manque 3 combats à faire, hein.
Petite save vite fait au cas où. Faut toujours attendre d'avoir des problèmes. Au cas où, moi je sauvegarde maintenant. De toute façon là, Bardane on va le fumer, hein, mais je vous dis premier degré. Bardane, on sort Clamiral, on fume tous les Pokémon de l'arène. Hein. Ça va aller extrêmement vite, mais alors je vous dis ça premier degré par contre. Hein. Donc là, ah mais oui, enfin, je... ouais, pour bien radar ça va peut-être être différent, ouais. Là c'est quand même notre deuxième combat. J'ai dit 4, hein. Ok. Ah, peut-être pas, peut-être pas. Deuxième. Ok, petit double. Troisième. C'est pas niveau 29, hein. C'est marrant, ils sont à la même... Enfin, le multi-exp aide beaucoup, hein. Excusez-moi, je suis un enfant. Mais ça va aussi. Mais... Putain, il fout tous mes Pokémon sous statue, là, on a rien à foutre. C'est mon deuxième meilleur Pokémon derrière un Clamiral. Il a fait un coup critique à 96, ce qui n'est pas possible, niveau 26, de me faire fumer par un Pokémon qui a littéralement. Mais. Je. Enfin. C'est cringe, en fait. Je vais me faire foutre. C'est quoi cette... Non mais... Enfin... Il m'a fait une centaine de dégâts avec un vieux poison de merde à la... Non mais non. 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 C'est pas possible ça normalement. Je... Bah écoutez, je... Bah voilà où ira Vivaldin. Hein. J'ai Vivaldin, tu as une place dans l'équipe, mais... Enfin... Enfin, Discroco n'avait littéralement aucune raison de crever à ce moment-là de l'histoire. C'est une mort absolument dégueulasse qui n'a absolument aucun sens, mais... Mais on va dire oui, hein, parce que c'est Pokémon. C'est quoi cette... Non mais... Enfin, c'est super cringe, hein. J'ai un one-shot sans avoir pu faire quoi que ce soit, enfin... Enfin, c'est cringe, quoi. 37, GG max. Enfin, allez, au revoir à la cringitude, on a fini sur cette route là de toute façon. On a un Pokémon décédé, hein. Que je vous dise de toute façon. Mais j'ai le seum là, hein. De toute façon là c'est... La fin du stream est salée actuellement. Hein. J'espère que vous n'avez pas une maladie des reins parce que... Je crois que c'est les reins le sel, hein, si je me trompe pas. Enfin bon. Moi j'ai réussi un quatrième combat, il a pris le niveau 37.
C'est cringe comme jeu. Ah, on en a pas mal des vivants en fait. C'est bien, c'est bien. On a plus de morts, hein, mais... Eh bien, c'est ainsi que s'achève le let's play, enfin le best-of de la route, je sais plus comment, on a foutu cette foutue route de merde. Là je déconne, un peu exagéré. Bah, moi j'ai le seum, mais pas à ce point-là. Mais j'ai un peu le seum quand même, ça c'est vrai. Mais du coup, ici ça déroule du coup le best-of de cette route. Pour le prochain best-of, vous aurez la même scène qu'à droite, les Pokémon ne sont pas actualisés. Puisque ce sera le même stream, puisque là, nous allons enchaîner tout de suite pour moi avec l'arène de Bardane, donc pas pour vous. Vous, il faudra que je fasse le montage. Mais on se retrouve du coup au prochain best-of, qui sera donc l'arène de Bardane. Et je vous laisse là. On se retrouve au prochain best-of. Passez-vous une bon timing, YouTube. On se retrouve plus tard. Allez, ciao ciao YouTube. Et re-YouTube. YouTube, bonjour à vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit best-of. Alors, faites pas attention à la ligne à droite, puisque là, c'est le même stream que le dernier best-of. Ce qui veut dire que les Pokémon ne sont pas actualisés, d'accord. On a perdu Crocorrible, qui est décédé. Et... Ah, il y a un truc. Pff, ok. Très cher Bardane, je vous présente mes hommages. Je me nomme Gettys de la Team Plasma. Je suis venu pour vous soulager de la présence de mes turbulencides. J'en veux pas de vos excuses. Vos sales types, ils ont essayé de voler des Pokémon aux honnêtes gens. Je crains que vous n'ayez commis une légère erreur d'interprétation. Mais des vrais hommes libèrent les Pokémon de leur féroce tyran. Si vous le dites. Bah, je suis plutôt un type franc et je sais pas bien parler comme vous. Vous connaissez des jolis mots, mais bon, ça sent le pipeau vos histoires. La Team Plasma nourrit un grand intérêt pour votre bonne ville de Port-Yonneuve. J'ose même croire que le nombre de mes gens qui s'y trouvent vous surprendrait sûrement. Je sais pas si vous racontez des salades ou pas, je m'en fiche. Bah, gagnez sans devoir se battre, vous êtes fortiche, hein. C'est bon, reprenez-les vos zigs. Je reconnais bien là la sagacité du roi de la mine. Votre capacité à jauger une situation en un instant et à prendre les bonnes décisions n'est pas usurpée. Quel redoutable homme d'affaires vous êtes. Il est temps de me retirer, accompagné par mon conseiller. Maître Gettys, quelle munificence, il suffit! Sommes-nous pas tous égaux, sept sages au service de notre roi? Je prends maintenant congé de vous, chers amis. Nous aurons certainement l'heure de nous rencontrer à nouveau. Et que la paix soit avec vous. Je suis désolé de vous faire un coup pareil, les petits. Alors que vous aviez trop retrouvé ces affreux. Bon, pour m'excuser, on fait un duel Pokémon. Je serai à l'arène, et me fais pas trop paroter, hein. Nous avons pu éviter qu'un conflit n'éclate en plein cœur de la ville. J'ai l'impression que ce Gettys n'est pas aussi ordinaire qu'il le prétend. Voyons, je vais entraîner mes Pokémon. Je refuse de perdre ce paysan de Bardane. Je lui arracherai son badge, prié de mon éclatante victoire à venir. Fais donc, moi je vais aller tout de suite le faire, pas entraîner mes Pokémon. Bienvenue à l'arène de Port-Yonneuve. Veuillez emprunter les ascenseurs pour vous déplacer. Pfff, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Quelle histoire depuis ton arrivée dans la ville. Phew, tu auras bien mérité ceci. Bardane, le champion de cette arène, est un spécialiste de type sol. Garde ça pour toi, mais les Pokémon de type sol sont très sensibles aux capacités de type eau. Pourquoi Bardane vit à côté de la mer? Ça reste un mystère pour moi. Ok, donc on va faire descendre l'ascenseur, les amis. Et on va les affronter un par un, les mecs. Toi, ok, toi là, le nouveau dresseur, viens te battre contre moi.
Je vous rappelle qu'on a un Camiral, niveau 39. Hein. Voilà, juste pour rappel. Je pense que ces Pokémon seront niveau 30, non? Par là. 28, même pas. Vous voyez? Pas besoin de changer, on va les fumer un par un, les Pokémon. C'est vrai, on va les fumer un par un. Hein. Je me tourne vers mon Pokémon pour lui montrer ce que je pense de lui. C'est un bon moyen de passer le temps dans une arène d'ailleurs. On va aller prendre l'autre ascenseur, hein. Je voulais juste voir s'il y avait des mecs à affronter au bout. En tout cas, le but c'est quand même qu'on les affronte tous pour essayer de prendre un peu d'XP. Hein. On a perdu le nôtre, RIP. Mais c'est pas très grave, hein. on avait d'autres Pokémon, de toute façon hein. On n'est pas descendu à 5. Hein. Ce qui est rassurant, c'est que pour l'instant on a un peu plus de Pokémon vivants que morts, quoi. Ce qui est quand même un peu rassurant. On a repris un peu le ratio. Salut toi. Quand l'ascenseur monte, je me sens mieux. Quand il descend, j'ai le moral au ras des pâquerettes. Tu veux savoir pourquoi Bardon est tout en bas, tu vas devoir me battre. Quand je vais le laminer, il va pas avoir le moral. Hein. Ça je te le dis. Je sens bien celui-là pour l'affronter un dresseur en vrai. Il y a la fille, ok. Y'a quoi sur l'autre? Parfait. C'est Bardon qui m'a entraîné alors. Je suis plutôt du style fort. Je ne détonne pas, même parmi tous ces dresseurs chevronnés. On bouge pas en tout cas, hein. Pour l'instant, Camiral va clean toute l'arène à lui tout seul, hein, je vous préviens. Vous allez pas avoir d'autres Pokémon sur le devant de la scène, hein. Je suis désolé s'il y en a qui en veulent plus, mais là pour l'instant le but c'est vraiment de les défoncer un par un. Quoi. C'est pas rentable. Thank you.
Ben si, en fait, je suis... Là, on y était. Là, le but, c'est de redescendre pour nous. Pour aller remonter ici. Affronter la fille. Monsieur Bardon se trouve au plus profond de l'arène. Je suis ici pour vérifier que vous avez le niveau pour aller le défier. Ça marche. Quelle humiliation! J'ai une dresseur surqualifié. J'ai un Pokémon niveau 40 aussi. Hein. Il a un cristal vert derrière lui! Save là. Vendio, une Isiata à la bonne. Je vais voir par moi-même ce que tu lui attends, ce qui attend plus chez toi. Je vais sortir un seul Pokémon et je vais te fumer la gueule. Ça va te plaire ça? Pokémon ont 10 niveaux de plus que toi, enfin bon frérot c'est... Enfin, je sais pas, t'as cru qu'il y avait un match là? C'est un no match ça s'appelle là. C'est ton moment de briller, Clamiral. Fume tous les Pokémon qu'il a. Je les fume tous, ça me détruit, y'a même pas de respect. Enfin bon, je... Abandonner, c'est trop facile. On peut le faire quand on veut. Bah capitule, frérot. Épargne-toi l'humiliation. 3 attaques, 3 Pokémon, GG à tous. J'ai paumé, tu fais pas d'idée, je t'ai pas fait de cadeau. Ça me plaît pas, moi. Mais bon, pour ton âge, tu es des potes. Je comprends que tu sois capable de relever le potentiel des autres. Bah, t'as bien mérité ça, en tout cas. Je l'ai défoncé, oui. Plus que 3. Ça va aller très vite à partir de là. Hein. Si t'en fais 5 comme ça, bah, Pokémon va tomber jusqu'au niveau 60, alors. Allez, je te rajoute une CT en bonus. Enfin... C'est ce que j'aurais fait si j'avais eu le temps. Et là, j'ai du boulot. Je vais à la grotte, qui est après la route 6. Je te rejoindrai là-bas. Donc YouTube, on va se laisser là. Ça vous a plu YouTube? Je sais pas comment ça fait qu'on est sur l'arène, hein, pas très longtemps je pense. YouTube, on va se laisser là, et puis on se retrouve, écoutez, prochain best-of. J'espère que ça vous a plu, pardon, très facile, mais c'était prévisible, hein, quand on prend Moustillon au début, en général c'est très facile après par la suite, ne vous inquiétez pas. Donc on se retrouve plus tard YouTube, passez un bon moment, on se retrouve au prochain best-of, portez-vous bien YouTube, et ciao ciao YouTube. Alors, on va pas reprendre pour YouTube de toute façon, pas besoin. Je pense qu'on n'a pas de dialogue ou quoi. Donc on peut directement aller soigner avec l'amiral. Et aller devant la grotte électroïte. Et faire le début là-bas. Pas la peine de faire un moment qui... Enfin, voilà. Un petit gain de temps, quoi.
Hey, oh, Loki! Dis, tu connais la reine de la ville? Quoi? Tu reviens et tu as même gagné le badge? C'est trop top, génial! Non, 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 faut que j'arrête de m'exciter pour un oui ou pour un non. Moi aussi, je suis un dresseur et je te lance un défi! Bon bah YouTube, sacrée intro. En fait, il se passe que je pensais que j'avais le temps d'aller à la grotte tranquillement et lancer l'intro là-bas. En fait, je me fais emmerder par vieille Bianca là. Donc du coup, on va devoir l'affronter et la défoncer rapidement. On fait ça et puis, écoutez. Bah bienvenue sur le best-of hein, de la grotte, normalement de la grotte, mais bon. On commence par Bianca parce que nous on a déjà fait la route. Ça c'est le bon point pour nous. C'est qu'on peut aller à la grotte directement quoi. Évidemment, j'ai soigné l'amiral entre-temps, hein, bien sûr. Il va prendre le niveau 40 très facilement. Ok. Est-ce qu'il va me faire chier? Pas tant que ça. Ben tant pis, c'est pas grave. Normalement, je crois. J'espère. Excuse-moi, avec ton premier Pokémon qui m'emmerdait. Hein. Bientôt niveau 40. Hein. Vous remarquerez. C'est fun de prendre le niveau 40 sur le starter, sur un autre starter quoi. GG à tous, niveau 40. Ah bah c'est bien ce que j'allais faire, t'as bien vu dans l'avenir par contre ça va te tuer hein, donc bon. Heureusement que t'es pas en Nuzlocke Bianca hein. Waouh, mince alors, j'ai perdu. Ça faisait un bail qu'on n'avait pas fait de duel, hein. T'es tellement super top balèze maintenant. Moi, je veux pas grand chose alors. J'ai du mal à trouver les mots, mais. Je pense que tu comprends bien ce que ressentent les Pokémon. Oh, j'ai failli oublier. J'ai quelque chose pour toi. On n'a pas envie de t'en servir, donc on s'en fout. Hein. Papa m'a donné cette CS. C'est pour pouvoir rentrer plus vite à la maison. Ici, oui. Il faudrait le donner à Tchiren aussi. Bon bah, Lanky, à plus. On a pas envie de servir de la capacité vol, hein. Ça, c'est le point négatif, un petit peu. Écoutez, la route c'est cool. Je vous propose qu'on se retrouve après, du coup, avec. Comme on a déjà fait en best-of. Qu'on s'en trouve plus tard. A tout de suite. Satané problème. Pardon. Satané problème qui est. Qui est Bianca, quoi. Bon, il est quasiment 16h, on va aller dans la grotte et tout tranquillement, mais. Pense pas qu'on est en train de faire grand chose quoi. Découvrir un peu. Peut-être capturer un Pokémon, peut-être quand même. Peut-être on peut quand même en parler, je pense, de capturer un Pokémon, mais. Ouah, j'ai fait un pas, t'exagères. Désolé pour l'attente! C'est une toile de mégavolts, je m'y connais pas. Un Pokémon électrique. Qu'est-ce que ça affiche là? Je sais point. Mais pour le souci, il y a les champions pour t'aider, je te le dis.
Allez, Scroco, go! Alors, j'en avais un, mais le mien n'a pas fait ça, quoi. Hein. Enfin, le mien, il est mort. Hein. Et avant que j'oublie, t'as bien été une petite CT. Ma préférée, je te dis. Tu peux les prendre à tes Pokémon. Pas besoin, mais... Petit Sol, qu'elle s'appelle. Elle inflige des dégâts et ça ralentit l'ennemi. Les Pokémon Sol, c'est pas des rapides. Mais avec ses capacités, tu peux annuler ce défaut. Je sais pas où jusqu'où ton talent peut te porter, mais si tu crois que tu peux le faire, te retiens pas. Si tu crois que ça peut le faire, hésite pas. Si t'as envie, lâche-toi. C'est toi qui fixes tes limites. C'est beau comme philosophie. La 5G et la philosophie, c'est... Ah ! Pardon. Suis-nous. J'ai oublié le trio des ombres. Maître, votre ordre a été exécuté. Merci. Tu viens de rencontrer deux membres du trio des ombres, les plus fidèles membres de la team Plasma rassemblés par Gatiss. D'ailleurs, ce sont eux qui avaient mis en place la toile de Megavolt à l'entrée. La grotte électrolyte. Que j'aime cet endroit. L'électricité dessine des équations. Le lien avec les Pokémon est palpable et aucun être humain n'est à l'horizon. Un lieu idéal pour moi. Dis-moi, franchement, j'ai décidé que tu serais mon antagoniste. Est-ce une surprise? Oui. Moi, je pensais qu'on allait être amis. Bien sûr. Une telle nouvelle doit surprendre. J'ai parlé de son groupe, Agitis. Et il a envoyé le trio des ombres se renseigner sur vous. Cheren, ce jeune inconscient s'illusionne dans son idéal de force. Bianca, la malheureuse, doit affronter une cruelle réalité. Tout le monde ne peut pas devenir plus fort. Tu ne te laisses aller à aucun de ses travers. Tu me sembles équanime. Voilà qui me plaît bien. La team Plasma est embusquée un peu plus loin. Gatiss, veut vérifier quel est ton niveau. Ah, je vais le foutre dans le cul, Gatiss. Pardon. Excusez-moi, il y a des enfants sur le stream, peut-être. Eh oh! C'est qui? Faut les pousser, hein. Loki, tu sais quoi? Les pierres qui flottent, bah, si on les pousse, elles bougent. Pas vrai? Hein, professeur? Professeur Bianca, petit caméo, bravo à tous. Hello! Alors, Loki, ça boum? Oh, l'expression. Cet endroit déborde d'une énergie qui fait le délice des Pokémon. Certaines pierres sont en sont ceinturées et peuvent donc flotter. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas trop être déplacées, bien sûr. Mon père m'a demandé de retrouver un Pokémon en forme de rouage, Tic. Je cherche l'origine des Pokémon, la période où il serait né. Alors, ça rigole pas avec moi. Mais j'adore chercher, moi aussi. C'est tellement top. D'ailleurs, tiens, j'ai quelque chose pour toi. Waouh. Faire tenir l'œuf chance à un Pokémon, fait tenir l'œuf chance à un Pokémon, il gagnerait plus d'expérience en combat. Un Pokédex est plus facile à remplir avec des Pokémon plus forts. Ah, vous m'avez vraiment fait chier pour ça, quoi. Ah, premier Pokémon de la zone. Ce sera l'araignée. On le capture, on sauvegardera avant de faire la suite du stream, je pense. Est-ce qu'on tente une Pokéball comme ça? Parce que là, sur le tas, qu'on le met KO, quoi. C'est un peu le problème. On a combien de sombre ball? Ah, c'est, j'ai pas de sombre ball ici! Ah, merde. Tentons une hyper ball, là. Faut pas se casser la tête des fois, vous savez. C'est une femelle, on va l'appeler Silk. En rapprochement avec le personnage féminin totem araignée de Marvel. Voilà. Mais on le saura sûrement jamais. Hein. Ok, bon, on va sauvegarder ici. Et puis ça, on fera ça lundi du coup. Bah écoutez, dans une heure, vous avez le petit compil de clips du mois de juillet. Ouais, qui sortira sur YouTube, bien évidemment. Et puis, bah écoutez, pour le reste, rien de bien spécial. Vous attend, hein. Vous avez Discord pour les infos, tout le tralala, bien évidemment. Il faudra que je fasse une actualisation ici des Pokémon. Hein.
Et donc voilà, donc on se retrouve lundi, 13h-16h, et puis tout le reste de la semaine. Passez un bon week-end, reposez-vous bien, bonne fin de mois de juillet, bon début de mois d'août. On se retrouve lundi, portez-vous bien, et ciao ciao tout le monde, bien évidemment.